Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La Guinée dina lay. Muslimi ñama la Guinée kuy la Guinée farma. Dunia muslimi birin wa assalamu alaikum. Je salue la population guinéenne de l'intérieur à l'extérieur et du monde entier, je vous salue. Je salue la communauté chrétienne de la Guinée de l'intérieur à l'extérieur et du monde entier. La communauté chrétienne du monde entier, je vous salue aussi. Bon, c'est moi ceci, l'ambassie, l'octotone de la Guinée, né noble par deux nobles. Alhamdulillah Rabbil Alamina. Et nous barrer la série. Halifi le multimilliardaire nana. Et nous barrer la série. Masotoma. La série. Wenyana. Halalo Uranopi. Anamaka. On se gamanye. Bakafar Makandidi. Adamade. Anana. Donc, il n'a pas eu la Syrie. Il n'y a pas eu la tante, il n'y a pas eu la tante. Il n'y a pas eu la salite, il n'y a pas eu la tante. Il n'y a pas eu la tante, il n'y a pas eu la tante. Il n'y a pas eu la tante. La Syrie, il n'y a pas eu la tante. Si la Syrie, il n'y a pas eu la tante. Il n'y a pas eu la tante, il n'y a pas eu la tante. Il n'y a pas eu la tante. Il n'y a pas eu la tante. Agbegbe gire sofi manga fi nanna nta nak malasiria la Guinée fu na rabinya anu malasiria abinya mané la Guinée souci binya mané rabo fari wallahu billahi tallahi ala na raba mané wombe droit autochtone respect des autochtones sur leur patrimoine. Bon, la raison de mon retour encore sur la vidéo, j'étais sur la ligne de Damaro. Vous savez, l'erreur que noble feu président général Lansana Conté Alayarham a fait, son erreur le plus grand. L'erreur qu'il a fait. Sauf maintenant, là, les preuves commencent à sortir. Quand il a arrêté les dignitaires du feu président Ahmed Seck Touré, le jugement de Mathias, le jugement qui passe sur les Dadis aujourd'hui, c'est le même jugement flagrant que ce noble président général Lansana Conté Alayarham devait le faire. Mais nobles, nous les nobles, on respecte l'humanité. Le pardon de ce noble président Lansana Conté a beaucoup accusé sa personne même. Son calme lui a beaucoup accusé lui-même d'être trop calme. Ça a accusé sa personne même. Billahi, tallahi, wa rabbil kaaba. Oui. Regardez Dadis. Quand le forestier est venu au pouvoir, il a touché la maison de qui? Des nobles. Il n'a pas cassé. Au contraire, cité sans fil. Président Dadis, que Dieu vous protège. Il a cassé la cité là. S'il y avait 20 personnes qui logeaient, lui il a refait ça. Un building bien solidé dans combien de mois? Il y a eu combien de personnes qui sont rentrées là-bas? Là où les Bounturabi Bangoura était avec sa vieille mère, paix à son nom.
C'est Dali ce qui a fait ça dans combien de mois? Et Dadis était aimé par les Américains parce que Dadis combattait la drogue. Le combat là est la respiration des États-Unis. Quiconque combat la drogue, les États-Unis vous tendent les mains. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Dadis? Que Dieu nous en garde des ennemis. Ils ont formé un groupe. Je vous dis, là, Salakouyate a donné 40 000 lèlous, c'est Nifarila. C'est eux qui ont formé le coup d'État là. Appelez la Gisselouda dedans. Allez-y tuer ses parents pour salir Dadis. C'est comme ça que ça s'est passé. Toumba que Dadis a pris, comme son frère de même lait, ils sont rentrés dans la tête de Toumba. Aujourd'hui, il n'est pas au regret. Billahi Toumba est au regret. Il est au regret. Il est au regret. Il cherche sa tête même aujourd'hui, sa maison qui est en France, son fils est là-bas, qu'il rejoint là-bas. Mais comment partir? Même un seul jour de prison, c'est la difficulté. C'est la difficulté sur un être humain. Bon, j'en passe. Je viens d'écouter mon fils Damaro. Il a dit quelque chose. Vous savez, le média, c'est un combat. Quand on pousse un coup sur votre face, sur votre visage, il faut retourner le coup. Quand l'ancien compte s'est calmé là, le noble président, le seul noble président que la Guinée a eu dans l'histoire jusque-là, que la France connaît, l'autochtone de la Guinée, paix à son âme, Allah yarham. Quand il s'est calmé, il laissait tomber tout, ça a trop joué sur sa personne et ça a trop joué sur son pouvoir. Sinon, même les Lucien Nifale là, les Lansana Kouyaté là, les Ousmane Kabala, ceux qui vomissent aujourd'hui là, ne peuvent pas parler sur le noble là, le toton là. Boyora Lombali Yere, Lucien Nifale. Ce qu'il a vomi, il n'allait pas vomir ça. Qu'ils ont honte même de leur naissance. Parce qu'ils ne sont pas des nobles. Ils sont contre nous les nobles. Pourquoi Amadou Damaro Camara, ex-assemblée, président de l'Assemblée, est en prison? Ce n'est pas à cause d'une petite somme là. Parce qu'il a reconnu que le coup Yara était un bel et bien coup d'État. C'est la raison de sa prison aujourd'hui que j'arrive à vous dévoiler. Mon fils Damaro, retourne-toi sur Alpha Condé, ce que je lui dis, s'il va démentir. Ce noble président Lansana Conte, paix à son âme, Allah yarham, il n'a jamais demandé pardon. Alpha Condé. Vous connaissez Lansana Conte? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. L'homme ne connaît pas Lansana Conte, tu n'es pas encore né. Billahi wallahi ta'alahi, il était très gentil, très calme, très humain. Mais Lansana Conte, c'est un homme, tu ne dépasses pas la limite. Il te mettra à ta place. Je vais te dire, je vais te donner le pont, l'histoire. Oui. Quand ce président Mendes Touré est décédé, c'est grâce à noble, ce président, général Lansana Conte, Allah yarham, les Alpha Condé là, le papa de Don et Chouzor, notre grand-père là, Don Souma, le papa de Mouktar Mohamed Mouktar Takana, leurs papas sont rentrés, les Sirayo, les Bamamadou, ils sont rentrés en Guinée, ils ne pouvaient pas rentrer.
Alpha Condé était parmi les conseillers du feu noble président autochtone, général Lansana Conté, en Guinée-Conakry. Alpha Condé faisait partir de ses conseillers. Mais la raison que Alpha Condé, il a montré à Lansana Conté que nul ne mérite pas le pouvoir. Il a profité une situation après Koudjara d'aller s'arrêter devant les Malinké parce qu'il pouvait le pouvoir, il voulait le pouvoir. À ce moment-là, le grand haut leader en ce moment, c'était le gars qui disait tout le temps là, Mfakaba, Nakaba, allez vous teigner. C'était lui. Lansana même regardé la campagne des leaders guinéens. C'est lui, Lansana Conté, suivait sur la télé. Il se mettait même à rire. Oui, j'ai même oublié, Diama, parti Diama. J'oublie son nom souvent. J'oublie souvent son nom. Son parti portait le nom Diama. Tout ça là, ça n'a pas dérangé Lansana Conté. Mais quand Alpha Condé a fait rentrer la rébellion en Guinée, c'est pour cela que Lansana Conté a arrêté Alpha Condé. Qui s'occupait des financements d'Alpha Condé? C'est ce Kassolo Fofana là, Nana Borama. Qui préparait le manger d'Alpha Condé? La femme là est décédée. Hadja Sarankaba, qui était logée, une douanière, quelque chose comme ça, à Dadia Kipi là-bas. Bien arrêtée. Une femme Kouniaka. Celle qui faisait l'infirmerie qui a là, à la sécurité aujourd'hui. C'est là-bas, ils ont construit là-bas pour Alpha Condé. Lansana Conté n'a jamais demandé pardon à Alpha Condé. Retire le mot. Tu sais, quand Lansana s'est calmé, c'est pour cela qu'on mettait tout. Mais comme nous, on est là, quiconque fait donne des nouvelles qui n'est pas normale, on viendra corriger. Damaro, Lansana Conté était assis sous l'arbre, là-bas au palais. Ses gardes-corps se promenaient. Dieu lui a fait dormir pour voir le rêve là. Il a vu le rêve d'Alpha Condé. C'est là-bas. Je te dis la vérité. Si c'est Alpha Condé qui t'a dit ça, il faut lui dire que moi je dis de retirer le mot. Parce qu'on ne cache plus la vérité. Lansana Conté a vu l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir après sa mort. Quand il s'est réveillé, il a dit Mbara Denkania Alama Mangena Hanoubé Mouyam Fesouamana Soutrani Naba Yerabi Dema Ntie Nungwansé Yate Tagibi Moutia Raya Gima Anti fare biri maire biri gire soli ntana manya ala na bilimbi ko fin do yi manga ya alfa mun bonye sa alfa rebellion ko ni nyama ne ma mari gi tan ha alfa ha manga ya ma sen ko be alfa no manga ya bi mbara itantu ara. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. C'était vers 18h. C'était vers 18h. Raison pour laquelle, quand Alpha Condé cherchait le pouvoir, il est allé devant la porte, là où Lansana Conté, le noble feu président
est couché. Quand il est allé là-bas, toute la Guinée a vu le vent qui a circulé là-bas. Les gardes-corps d'Alpha Condé ont pris Alpha Dong pour le faire monter dans le véhicule. Dès qu'il a quitté le parti, le vent s'est calmé à court. Oui. Donc, il faut qu'on oublie de dire des choses parce que on connaît la vérité. Tu dénonces, nous allons dire pour corriger. On n'accepte plus. Et le PDG et RPG, il y a deux différences, il y a deux groupes. Ceux qui sont là-bas, bing, PDG, ça c'est le PDG de Sékou Touré. Eux n'aiment pas Alpha Condé. Même s'ils ont voté pour lui, ils ont fait pour kidnapper le pouvoir dans sa main, pour donner à un réel PDGisme. C'est ce qui s'est passé. Ils ne vont jamais aimer Alpha Condé. Ce que je vous dis comme ça, allez-y donner la vidéo à Alpha Condé. Il vous dira que cette noble femme me dit la vérité. Il y a deux groupes en Haute-Guinée. Un autre côté qui n'aime pas RPG. Il ne veut que l'idée du PDG, du gouvernement tête aux pieds, Malinké, voir les autres ethnies, maybe gouverneur, préfet, maire, faire monter les esclaves sur la tête des nobles. Voilà, ça c'est le rôle du PDG. Je veux vous dire. Donc, quand Alpha Condé est venu au pouvoir, c'est le PDGisme là qui le combattait. Et c'est eux qui ont balayé son pouvoir. C'est eux qui insultaient nos frères nommés par Alpha Condé. Les Soussous n'ont jamais fait du mal à Alpha Condé. Mais c'est Alpha Condé qui a rendu la vie difficile au noble président Alassane Condé. Il l'a fait. De fait qu'il a fait rentrer la rébellion. Si l'Ansana Conté, Aliyarakam, n'était pas un barakadé, la Guinée allait partir. Comme la Sierra Leone a traversé, comme le Libéria a traversé. Sous le régime du feu président Ahmed Sékou Touré, ils ont emprisonné l'Ansana Conté 10 fois. Que j'arrive aujourd'hui à dénoncer, à déclarer. 10e fois, ils ont même fait descendre le drapeau jusqu'au milieu. Parce qu'il était officier pour donner la nouvelle de son décès. L'Ansana Conté est sorti comme ça de la bourse. Il venait. Partout, son corps, c'était le sable. Poudre de sable. Depuis ça, Sékou Touré a vu, il a approché l'Ansana Conté maintenant. Les 5 dernières années avant sa mort, même 27 août, c'est grâce au feu noble président Ansana Conté qui a échappé, qui a protégé le pouvoir de feu président Sékou Touré, raison pour laquelle ceux qui se foutent de nous, les autochtones, ceux qui se foutent de nous, les nobles, le jugement de ce pays-là, c'est Dieu qui va le faire. Nos parents pleurent aujourd'hui. On brûle leurs parents. On brûle nos parents dans leur maison. Tout le monde veut prendre le terrain à Petit Paris, là-bas, en Basse-Guinée. Qui peut se victimiser aujourd'hui en Guinée plus que nous, les autochtones? Arrêtons, ne réveillez pas. Si c'est Alpha Condé qui vous a expliqué ça, allez-y dire Alpha Condé
que ceci l'embassy a donné la réelle version. Le groupe Malinké, PDGisme, qui se sont déplacés pour aller voir l'ensemble compté, Allah yarham, elle leur a demandé, le protocole a demandé la raison de leur visite. Quand ils ont su, ils ont rejeté le lendemain. Alpha était derrière le rideau. Il a tout écouté. Les PDGismes cherchaient à ce qu'on tue Alpha Condé. Mais nous, les nobles, nobles comme toi, Damaru, nous sommes très doux. Mais le respect, on veut ça. Notre droit sur notre patrimoine, on veut ça. Ansana Conté n'a jamais demandé pardon à Alpha Condé. Au contraire, Alpha a regretté ce qu'il a fait à Massana. Il est venu, il a été député. Un mois, deux mois, il a pris le salaire là. On a pris tout ça là qu'il est même propre, même propre. Il avait servi la Guinée. Mais maintenant là, il faut qu'on laisse tout ça là. Sinon notre ventre là est rempli. Mais nous, on veut que la Guinée aille en bonne route. On ne veut pas réveiller les morts. Quand je parle même de temps de rébellion là, Alpha et Mohamed Touré qui ont fait rentrer ça. Et je me réfléchis sur nos parents qui sont morts vers les Maferenga là, vers... C'est pas bon quoi. Noble Massana n'a jamais demandé pardon à Alpha Condé. Arrêtez. Au contraire, quand il a été appelé, il lui a dit les quatre vérités. Alpha s'est calmé. Il a compris ce que l'Ansana Conté lui a dit. Et il a compris qui leur a conduit dans l'erreur face à l'Ansana Conté. Mais nous, les Soussous, il est venu, il nous a dit qu'il est le fils de nous. On a accepté, on lui a donné nos mains. Mais devant Alpha Condé, sous le régime d'Alpha Condé, la casse des maisons a commencé sur nos parents, sous ses yeux. J'en passe. Mamadi Touré, prendre la photo du feu, noble président, l'Ansana Conté, Allah yarham, mettre sur la panne là. Que Dieu te donne le feu sur la terre là. La maison de ce gars-là, tu as cassé. L'école qui portait son nom, vous avez mis le feu là-bas. Mamadi Doumbouya, utilisez la photo de noble feu président l'Ansana Conté. Allah Rabbalui Fima, Allah Rabbalau Fima, Allah Hira Yarabi, Allah Hira Kalaki, Allah Hira Mangaya Rasoira Yarabi. Mou Mikolo, ici c'est Mara. C'est un temps pour les babanara, afin de Massana Fadinire Kyoki, Anna Chandi, c'est ma fille à Fara Sabonse. Massana Radi Massam. Ira Nafiria, Ira Hurbo Karabaya. Il a couillé Batuya, il n'y balance à la compte Fali. L'ansana yakouinira, Mamadi Touré. L'ansana compte yakouinira. Mets la photo de ton papa. Les deux visages là ne se discutent même pas. Laisse la photo du feu noble président l'ansana compte. Era photo na kantongo na ki esa du gima. Alakha gbadwe fi ma fira. Allah hayi manga ya rasuli nyara ya rabbi ya rabbana muta khurusu si nan naki to hati nanu tina bura ha duniya nyom so se mo ne mo masono ina ni amura hali ha mamadi itulubite muguna bidin kudun donc nanala lansa na konta futu na kampale ku il ne rend ça que Gima. Allah a le balayé bien fort le royaume le royaume. Ya Rabbi ya Rabbana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Mm-hmm.